La suite, deuxième rencontre, 11 juillet 2016. Alors, discussion pré-hypnose, durée 21 minutes. Était présent Sylvie P, bah ouais, forcément. Pierre Caron, psychanalyste et hypnologue. Et Marc Saint-Germain, enquêteur ufologue. Et dans la première hypnose, il y avait Jean-Charles Moyen. Hein, j'avais dit en plus. Allez, autant relire le résumé. Les enfants de Sylvie P. Récit authentique d'un cas d'enlèvement extraterrestre au Canada et d'un seul cas parmi des centaines de milliers, des millions de toute façon. Même des gens qui n'ont pas le souvenir du tout d'avoir été fait enlever en plus, hein, donc c'est encore pire. Ou par hypnose. Ou alors ils ont des trucs, ils savent pas trop, des implants, bon bref. Alors, le résumé. Marc Saint-Germain et Pierre Caron. Les enfants de Sylvie P. Sylvie P. fit une fausse couche à l'âge de 25 ans, mais son fœtus ne fut pas retrouvé. Tout au long de sa vie, elle fit face à des événements inexpliqués. À l'âge de 15 ans, elle vit un ovni et expérimenta un épisode de temps manquant. Ce n'est qu'une trentaine d'années plus tard que Sylvie put enfin avoir certaines réponses. Ce que Marc Saint-Germain et Pierre Caron découvrirent au cours de plusieurs séances de régression hypnotique les convainquirent que Sylvie P. fut non seulement enlevée à plusieurs reprises par des entités non humaines, mais qu'elle servit de mère porteuse pour engendrer deux différents types d'hybrides. Loin d'être unique, le cas de Sylvie P. fait partie des innombrables cas d'enlèvement répertoriés sur la planète. Oui. Son témoignage est un cri pour que cette situation soit révélée. Au grand jour, le travail réalisé sur ce cas canadien est exceptionnel. Marc Saint-Germain est enquêteur et directeur provincial du MUFON. Ses nombreuses enquêtes de terrain, notamment celle en lien avec des enlèvements, et ses livres ont fait de lui un enquêteur ufologue d'exception dans ce domaine. Pierre Caron possède une formation en psychothérapie comportementale. Ses qualités de psychanalyste et d'hypnologue ont rapidement fait de lui la référence en matière de régression hypnotique pour les cas d'enlèvement. Il est consultant spécialiste accrédité du MUFON. Alors, on va passer directement à la deuxième séance. Deuxième rencontre du 16 du 11 juillet 2016. Allez, avant d'entreprendre cette deuxième séance, nous avons discuté des différents événements qui pourraient avoir un lien avec la situation du passé de Sylvie et qui auraient surgi après la première régression. Il fut question de sa vision d'un grand gris durant la nuit avec une connexion télépathique intense qu'elle décrit. Que décrite au chapitre précédent. Toutefois, la vision du grand gris était différente de celle décrite au cours de l'hypnose, car elle voyait désormais son visage qu'elle pouvait définir en détail. C'est d'ailleurs ce qu'elle fit en nous faisant parvenir quelques esquisses dépeignant l'aspect réel de cet être. Des questions d'ordre pratique furent également abordées, dont une en lien avec des problèmes d'anémie à l'adolescence. Sylvie s'est rappelée que peu de temps après l'événement de la sphère de lumière, dont on croit aujourd'hui qu'il s'agit d'un enlèvement, elle avait dû se rendre à l'hôpital en raison de fortes migraines et de faiblesses inexpliquées. À première vue, le médecin croyait qu'il pouvait s'agir d'anémie. Mais les analyses sanguines démontraient un taux anormalement élevé d'anticorps, laissant présager autre chose. Après d'autres vérifications hématologiques, le médecin avait repris contact avec Sylvie pour lui demander si elle avait été en URSS, car les analyses sanguines démontraient une forme d'irradiation. Ce à quoi elle lui a répondu non, bien évidemment, visiblement décontenancé par le résultat des analyses sanguines. Le médecin, qui cherchait à trouver une cause à certains des anticorps présents dans le sang de Sylvie, lui avait également demandé si elle avait déjà été enceinte ou si elle avait déjà eu une transfusion sanguine. Il y avait une importante perte de poids, environ 5 kg 500, qui semblait associée à sa condition anémique ainsi qu'un taux très bas au niveau du VGM, volume globulaire moyen, signifiant que Sylvie avait perdu beaucoup de sang. Ni Sylvie ni ses parents n'avaient d'explication concrète à donner à toutes ces anomalies et ils espéraient justement que les médecins pourraient les aider à découvrir ce qu'il en était. Sylvie passa plusieurs semaines à passer des tests dans différents hôpitaux de la région sans toutefois obtenir de réponse définitive sur ce qui avait causé cette étrange forme d'anémie.
Le 29 septembre 1957. Alors écoutez bien, ça c'est parce qu'ils font référence à Tchernobyl. Une catastrophe nucléaire majeure d'ampleur similaire à celle de Tchernobyl en Russie, Fukushima au Japon se produit près de la ville de Kichim en URSS. L'explosion d'un des réservoirs de déchets nucléaires suite à une panne de système de refroidissement est à l'origine de cette catastrophe, bien qu'une zone de plus de 800 km² fut touché et que plusieurs personnes moururent irradiées. Le gouvernement soviétique garda cette information secrète. La nature du désastre fut relevée la première fois en 1980. Vous vous en rappelez, c'était arrêté à la frontière, hein, qu'il y avait dit Mitterrand. Bon, revenons. Fait toujours rire, moi. Sans connaître la véritable cause à l'origine des problèmes de santé de Sylvie, le médecin avait prescrit du fer et des suppléments vitaminiques pour fortifier son système, sur qui il avait remis sur pied en quelques semaines. Sur notre demande, Sylvie a fait venir le dossier médical en lien avec ses problèmes de santé à l'époque. À la fin de la discussion, pré-agression, Sylvie mentionna le souvenir d'un événement alors qu'elle avait environ 4 ou 5 ans. Elle se rappelle avoir vu par la fenêtre une lumière à l'extérieur qui faisait des zigzags et qu'elle communiquait avec des êtres dans le coin de sa chambre. À la 4-5 ans, la possibilité que d'autres expériences en lien avec des enlèvements se soient produites dans le passé fut ainsi abordée, mais le souvenir conscient de Sylvie n'était pas assez clair pour en tirer quelques conclusions que ce fut. Alors figure 3, croquis du visage d'un grand gris fait par Sylvie. Allez, direct. Oh, qu'il est joli. Bon, on le voit bien. Là, on le voit bien. Et il n'est pas content, en plus. Négatif. Bon, ils sont pas tous comme ça. Hein. C'est comme dans les reptiliens, ils sont pas tous comme ça. Mais en général, ils sont négatifs, voire extrêmement négatifs. Après, ça dépend duquel. Je crois que les pires, c'est même pas eux. C'est notre race. Je sais plus comment elle l'avait dit. Elle a un an dans ce livre dans les étoiles. Je sais plus à quelle race. C'est encore pire. Je me demande si c'est pas les Sakars ou c'est encore peut-être encore une autre race, je sais plus. Enfin, bon. C'est magnifique. Bon, deuxième règle sur l'inoptique, l'extraction. 11 juillet 2016. Alors étaient présents Sylvain P, Pierre Caron et Marc Saint-Germain. Alors Pierre Caron, psychanalyste et hypnologue, et Marc Saint-Germain, enquêteur ufologue, et Sylvie P. Début de l'induction hypnotique 11h30, début de l'hypnose midi 14, durée de l'hypnose 37 minutes, lieu résidence de Sylvie P. Pierre Caron. Les images vont venir de plus en plus rapidement et ensuite elles vont ralentir. Tu laisses venir les images et tu me décris la première chose que tu vois ou que tu ressens, c'est du passé, mais tranquillement tu revis le passé sans crainte. Sans peur, toujours consciente que je suis là et que tu es là, mais pas dans ce lieu. Les images viennent de plus en plus proches, de plus en plus intenses. Et la première image que tu vois, tu me la décris, laisse venir les images. Première sensation, première image, tu me décris ce que tu vois, silence. Qu'est-ce que tu te trouves, Sylvie? Silence. À quel endroit tu es? Silence. Comment tu te sens? Sylvie, j'essaie de me réveiller. Pierre, alors pourquoi tu veux te réveiller? Silence, pourquoi tu veux te réveiller? Sylvie, je suis en train de flotter. Tu flottes où? Alors, dans ma chambre, forte respiration. Est-ce que c'est récemment ou il y a longtemps? Sylvie répond, ça fait longtemps. T'as quel âge? Je suis grande. Ça te donne quel âge? Ça, à peu près, ta grandeur, est-ce que tu vois? Gémissement avec hochement de la tête, oui. Tu te vois comment? J'ai ma jaquette bleue. Et t'as quel âge? Sylvie est un peu agitée. Qu'est-ce que tu vois? Je m'en vais vers la fenêtre, je vais passer au travers. Et est-ce qu'elle est ouverte, la fenêtre? Non. Quel âge t'avais quand tu avais cette petite robe bleue? Respiration, est-ce que tu te vois petite ou grande? Je suis grande. Adulte, enfant, Sylvie est de plus en plus agitée. Où est-ce que tu es rendue maintenant? Est-ce que tu flottes encore? Oui, je ne peux plus me réveiller. Décris-moi ce que tu vois. Tu te réveilleras après, plus tard. Où est-ce que tu te trouves? Je suis en train de traverser la fenêtre. Quelle sensation ça fait à ton corps de traverser la fenêtre? Respiration, est-ce que tu te sens... Est-ce que tu sens quelque chose? Sylvie est agitée. Est-ce que tu es rendu mal de l'autre côté de la fenêtre? C'est où? Dans le ciel, dans le gazon? Sylvie répond, je suis encore, je flotte. Je ne comprends pas. Sylvie met sa main devant son visage. Qu'est-ce qui te fait mal aux yeux? La lune est forte. Alors, la lune, ça correspond exactement aux enlèvements extraterrestres par des êtres lunaires de Daniel Aron, parce que la Lune elle a quand même une signification, hein. C'est pas pour rien qu'elle est là, hein. Donc, bon.
avec toutes les structures qu'il y a dessus. Alors en elle-même, déjà, c'est quelque chose qui ne devrait même pas être là. Hein, c'est une construction. Hein. Donc la Lune est forte, hein, déjà, direct. Alors, tu es sous la Lune. Qu'est-ce que tu t'en vas vers la Lune? Je m'en vais vers, je ne comprends pas, le ciel, et il y a des étoiles, et la Lune est là, en pointant du doigt. Il n'y a pas d'étoiles, oui. Il y en a là et là, en pointant du doigt. Est-ce que tu te rapproches de la Lune? Hochement de tête, oui. Est-ce que tu as l'impression d'entrer dans la Lune? Non, c'est à côté. Ça correspond quand même avec dernièrement ce qu'il dit, hein, ce qui se passe sur la Lune. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Comment tu te sens présentement? J'ai le vertige. Est-ce que tu peux regarder en bas? Sylvie se tourne vers la droite. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Les arbres n'ont pas de feuilles et puis il y a des étoiles là en bas en pointant du doigt. Est-ce que tu es au pied d'un arbre ou à la hauteur d'un arbre? Je suis haute. Et la lune est où? Forte respiration, Sylvie pointe à sa droite. De ma droite, hein, d'ici, parce que vous, je pense que ça. Tu t'en vas. Alors, tu t'en vas encore vers la lune. Sylvie est agitée. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu t'en vas vers la lune? La lune est là-bas, en pointant vers la gauche. Tu t'en vas vers elle? Non, elle pointe la droite. Tu t'en vas vers où? La grosse lumière là, en pointant vers la droite. Si tu avances vite, vite vers la lumière, est-ce que tu te retrouves dedans? Non. Qu'est-ce que t'es rendu encore? Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Qu'est-ce que t'es rendu? C'est écrit comme ça. Hein. On dirait qu'il y a une porte là en pointant à ses pieds. Ouf, à tes pieds ou à ta tête? À mes pieds. Est-ce que t'as des petits pieds ou des grands pieds? Des pieds d'enfant ou des pieds d'adulte? Des pieds d'adulte. Est-ce que tu vois ton corps? En guise d'acquiescement. Est-ce que t'es habillé? Oui. T'as quel âge à peu près si tu regardes ton corps? J'ai 15, 16 ou 17. 17 ans. Hein. Ok, il y a la porte. Qu'est-ce qui arrive avec la porte? Est-ce qu'elle s'ouvre? J'attends. T'attends où? En face. Est-ce que tu es encore dans les airs ou tu es sur un lit? Je suis encore dans les airs. Quelle sensation ça fait en dessous de toi? Est-ce qu'il y a de l'air, de la chaleur, quelque chose qui te supporte? Hochement de la tête, oui, c'est chaud. Et en haut, c'est comment? En haut de toi, Sylvie bouge comme si elle regardait autour d'elle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dis-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. Sylvie répond, je pense que je sais ce qui va se passer en gémissant. Qu'est-ce qui va se passer? Sylvie commence à pleurer. Est-ce que tu le sais car tu l'as déjà vécu une fois? Hochement de la tête, oui. C'était quand cette première fois? Hochement de la tête, je ne sais pas. Forte respiration. Alors, Pierre répond, vas-y sans crainte, sans peur, c'est du passé, tu peux y aller sans crainte et la revivre graduellement. Décris-moi vers où tu t'en vas. Qu'est-ce qu'ils vont faire te faire? Allez, un peu de courage, tu n'es pas là. Tu es ici, mais ce sont des souvenirs qui reviennent. Aucune crainte, aucune peur. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui va se produire? Ils sont tous là, en pointant à ses pieds très agités. Qui sont tous là? Tes amis, des personnes que tu connais? Sylvie commence à pleurer hochement de la tête. Non. Est-ce que tu les as déjà vus? Hochement de la tête. Oui, en pleurant. Quand? Haussement d'épaule, je ne sais pas. Gémissement. C'est qui ces personnes? Ils sont combien? Hochement de la tête, je ne sais pas. Laisse venir les images qui te reviennent. Dis-moi ce que tu vois. Silence. Qui sont Sylvie? Tu peux me le dire? Ce sont des petits. Des petits. Hochement de la tête. Oui. Ils font quoi? Je suis toute nue. Ils font quoi? Qui t'a déshabillé? Est-ce que tu te rappelles, c'est eux? Hochement de la tête, oui. C'est bien. Laisse venir les images. Décris-moi tout ce que tu vois. Comment ils sont? Encore un silence. Qu'est-ce qui se passe, Sylvie? Tu peux me le dire. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'ils te font maintenant? Et ils te font quelque chose? Est-ce qu'ils bougent? Sylvie semble regarder à ses pieds. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes tes pieds. Il y a un grand qui me tire. Il te tire par où? Par les pieds. Par le pied. Jusque où il te tire? Qu'il te tire? Hochement de la tête, je ne sais pas. Tu es encore dans les airs, on dirait que je glisse. Qu'est-ce que tu ressens en-dessous de toi, étant donné que tu es nu? Est-ce que c'est froid, c'est chaud, c'est froid? Est-ce que tu peux toucher ce que tu es? Ou est-ce que c'est dur ou tu ne sens rien? Qu'est-ce que tu sens quand tu touches? C'est froid. Est-ce que c'est dur? Oui. Jusque où il te tire le grand? J'ai passé dans un corridor. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce corridor? Il n'y a rien eu. Ça pue. Ça pue, hein. Ça sent mauvais. Ça sent quoi? Silence. Ça sent quoi, Sylvie? Quel genre de senteur? Des corps en décomposition. J'espère que ce n'est pas des humains qui sont en décomposition. C'est quand j'avais vu le film Travis Walton, quand il se fait enlever dans Fire in the Sky, qui date de 1993. Lui, son histoire est de 75, hein, le Canadien. Bah, Canadien, encore une fois. Apparemment, dans le film, on voyait des corps en décomposition. Même, il y en a même, il était même coupé en deux dans le film. Alors, est-ce que c'était vraiment comme ça? C'est toujours
pareil, les films, souvent, ils sont un peu. Comment dire? On sait pas si c'est exagéré ou pas, ou alors c'est plus ou moins la vérité. Mais il y en a un, je m'en souviens, dans le film, c'était horrible. Tout son corps était pratiquement coupé en deux avec les boyaux, mais en décomposition, mais il bougeait encore avec ses mains, avec sa tête. Comme s'il n'était pas conscient que son corps. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me paraît bizarre parce que des corps en décomposition. Et tu t'en vas vers où là? Bien là, je suis dans une salle. Est-ce que tu es toute seule? Non, ils sont au camp autour. Ils te font quoi? On dirait qu'ils me mettent quelque chose là en touchant sa nuque. Ça ressemble à quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont sur d'autres parties de ton corps? On dirait qu'ils me strappent la tête ou le corps. Le corps. Et à quoi elles ressemblent les straps? Tu peux les voir, c'est blanc. Sylvie est agitée, humide. Est-ce que tu peux y toucher? Hochement de la tête, non. Pourquoi? Je suis strappé de partout en gémissant. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Sylvie est agitée. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, Sylvie? Tu peux me le dire? Silence. Décris-moi ce qu'ils font sans crainte. Qu'est-ce qu'ils te font maintenant? Est-ce qu'ils sont sur ton corps? Est-ce qu'ils ont des mains sur ton corps? Ou des objets? Ils rentrent des objets. Sympathique. Hein. Ouf. Là, en pointant vers le bas de l'abdomen. C'est où là? Le ventre? Gémissement? Ça ressemble à quoi l'objet? Est-ce que ça te fait mal? Hochement de la tête? Non. Sylvie est agitée, respire fortement. Est-ce que t'as mal quelque part? Sylvie replie ses jambes contre elle. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Sylvie? Est-ce que tu es déstrappée? Hochement de la tête? Non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se produit? Est-ce que t'as levé tes jambes? Hochement de la tête? Oui. Tes jambes n'étaient pas strappées? Hochement de la tête? Oui. Et tu peux les lever, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Qui l'élève? Les grands, certainement les grands gris. Hein. Il l'élève comment? Silence. Est-ce qu'il te parle? Hochement de la tête? Non. Sylvie est agitée. Qu'est-ce qu'ils te font? Après avoir levé tes jambes, qu'est-ce qu'ils te font? Il rentre un tube en gémissant. Où tu peux me le dire? Bah, je pense qu'on a compris. Hein. Il rentre où le tube, à votre avis? Non, pensez pas à des trucs. Dans mon vagin, vagin, voilà, magnifique, en gémissant. Est-ce que ça te fait mal? Oui. Sylvie commence à pleurer. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? C'est comme un viol, hein. De toute façon, imagine qu'elle a 15, 16, 17, elle n'a même pas encore adulte. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Sylvie pleure, est agitée et respire fortement. Comment tu te sens? Ça me fait mal en gémissant. À l'intérieur ou à l'extérieur? J'ai des crampes. Au ventre? Oui. Quel genre de crampes? T'as déjà connu ces crampes-là ou jamais? Jamais. C'est la première fois? Oui. Est-ce que c'est la première fois que quelque chose est introduit à cet endroit, Sylvie? Non. Non, il y en a d'autres avant. Oui, c'est la première fois. C'est la deuxième en gémissant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça me fait de plus en plus mal. À l'intérieur? Oui. Ça te fait quoi comme feeling? Des contractions. Est-ce que l'objet est encore là? Oui, on dirait que ça me déchire. C'est quel genre d'objet? Est-ce que c'est long? Oui. Métallique, plastique, métallique, en gémissant. Bah ouais, je vois mal le truc, oui, métallique, hein, ce sont des longues tiges, des tubes métalliques. Bah. Un qui tient cet objet. Et qui tient cet objet? Un grand. Donc forcément, un grand gris. Hein, j'imagine. Ça fait quoi dans ton ventre? Ça déchire, oui. Et qu'est-ce qu'il y en a d'autre autour? J'en vois juste un autre. Il fait quoi d'autre? Il fait quoi l'autre? Haussement d'épaule, je ne sais pas. Est-ce que l'autre te touche aussi? Hochement de la tête, non. Il regarde, oui. Maintenant, est-ce qu'il retire l'objet? Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Hochement de la tête, non. Sylvie est agitée. Qu'est-ce que ça fait maintenant? De plus en plus mal. Hochement de la tête, oui. De plus en plus mal. Est-ce que tu leur dis quelque chose? Je crie. Tu cries, tu peux crier. C'est quoi tu leur dis? De tout enlever, qu'ils me font mal en gémissant. Tantôt, tu m'as dit que tu savais ce qu'ils te faisaient. Ils te l'ont fait avant, la même chose. Est-ce que tu te rappelles s'ils te l'ont fait déjà fait avant? Sylvie respire fortement et est agitée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Silence. Sylvie, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont partis. Est-ce qu'ils ont sorti l'objet? Oui, ils ont dit que c'était viable. Ils ont dit quoi? Que c'était viable. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont partis avec quelque chose de toi? Hochement de la tête, oui. Ce serait quoi tu penses? Silence, Sylvie, ce serait quoi selon toi? Un morceau de peau? Un bébé. Je m'en doutais parce que je pensais à un bébé. Est-ce que tu l'as vu? Hochement de la tête, non. Comment tu savais que c'était ça? Haussement d'épaule, je ne sais pas. Bah, par intuition, par télépathie, par ce son, ça doit être certainement ça. Est-ce que tu en avais un autre avant ça? Non. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis toute seule où? Dans la salle, même endroit que tantôt, oui. Et comment tu te sens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te ressent? J'ai froid.
T'as froid? Est-ce que tu es encore nu? Oui. Est-ce que tu as senti quelque chose couler quand ils t'ont retiré l'objet? Ça coule. Qu'est-ce qui se passe maintenant? T'es encore seul? Hochement de la tête, oui. J'ai de plus en plus froid. Si je te mets une couverture, vas-tu avoir moins froid? Est-ce que ça va te réchauffer? Hochement de la tête, oui. Ça bourdonne dans ma tête. Je vais mettre la couverture, c'est bon. La couverture va te réchauffer maintenant. Tu vas pouvoir me dire maintenant quand ils vont arriver, s'ils vont revenir. T'as plus en plus de chaud maintenant. Ça va te réchauffer, ça te réchauffe de plus en plus. Est-ce que tu ressens la chaleur? Hochement de la tête, non. D'après toi, est-ce qu'il y a une couverture? Non. Maintenant, Sylvie, je vais te demander qu'est-ce qui se passe. Ça continue de couler. Ça coule beaucoup? Hochement de la tête, oui. Qu'est-ce qui coule entre mes jambes? C'est quoi? Est-ce que c'est du sang ou de l'eau? Je ne vois pas. Peut-être une sorte de liquide, hein, un truc qui mette, j'en sais rien, pour savoir. C'est froid, c'est chaud? Elle dit que c'est chaud. Est-ce que tu peux toucher? Hochement de la tête, non. Comment tu te sens présentement à l'intérieur de toi? Je me sens partir. Partir? Partir vers où? Je me sens mourir. C'est comme s'il t'avait enlevé la vie. Oui, très passivement. Protocole de sortie hypnose. C'est magnifique, hein, ils l'ont violé avec des tubes, des trucs. Alors, après, hybride, hybridation, bébé. Bon. Les informations rapportées par Sylvie au cours de cette deuxième régression hypnotique nous indiquent que l'événement vécu est différent de ce qui a été rapporté lors de la séance précédente, c'est-à-dire la première. Selon l'âge estimé, ainsi que certains autres détails tels qu'elle décrit durant l'hypnose, on peut supposer que la première procédure effectuée par les grands gris lorsqu'elle était avec sa sœur, oui, c'est la première fois, elle était avec sa sœur qu'il y avait. Elle avait 11 ans, je sens, je sais plus. 13 ans, 11 ans, non. En était une d'implantation d'embryon alors qu'elle n'avait que 15 ans. Bon, c'est d'ailleurs ce qui ressort des détails évoqués au cours de cette première séance. Quant au deuxième événement, celui-ci consistait à l'extraction du fœtus quelques semaines plus tard. Pour la majorité des cas de ce type, la moyenne de temps pour l'extraction du fœtus avant son implantation se situerait entre 10 et 12 semaines. L'observation faite par Sylvie durant la seconde hypnose à propos du fait qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres, suppose que ce deuxième événement se serait produit à l'automne. Tandis que pour le premier observation de la sphère avec sa sœur, c'était l'été. Pour ce qui est de l'âge évoqué durant ces deux régressions, 15 ans pour la première et entre 15 et 17 pour la deuxième. Celui-ci concorde avec la date de naissance de Sylvie versus le document médical de l'annexe 2. Le problème d'anémie inconnue, diagnostiqué par la suite par le médecin, ne serait donc qu'une conséquence normale de cette extraction de fœtus. Cette procédure d'extraction peut avoir occasionné des lésions internes ainsi que des hémorragies causant d'importantes pertes de sang. Les interrogations du médecin de Sylvie quant à une possible grossesse antérieure ou une transfusion sanguine concordent également avec l'ensemble du récit évoqué durant cette régression. On peut ainsi supposer que Sylvie puisse avoir reçu une transfusion de sang après la procédure d'extraction du fœtus, étant donné qu'il était question d'écoulement important d'un liquide chaud entre ses cuisses, et qu'elle s'est sentie partir comme si elle mourait, après avoir ressenti qu'elle se refroidissait. Dans les deux cas, il s'agit de symptômes liés à d'importantes pertes de sang. Les analyses hématologiques ultérieures sont là pour le confirmer, tel qu'en témoigne le document de l'annexe 2. De plus, au cours de notre première rencontre, Sylvie nous avait informé qu'elle souffrait d'endométriose. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il puisse y avoir un lien entre l'extraction du fœtus ou l'avortement et cette maladie. Mais toutes les options sont à prendre en considération. Quoi qu'il en soit, il est évident que de telles procédures produisent des conséquences sur la santé des organes reproducteurs féminins, car le fœtus ne sort pas selon un processus normal. La perturbation du cycle menstruel peut survenir chez certaines femmes ayant subi un avortement. Dans le cas de Sylvie, outre son endométriose, celle-ci a cessé d'avoir ses règles à 26 ans, ce qui est tout à fait anormal pour cet âge. Bah oui. Oui, selon ce qu'elle en sait de façon consciente, elle n'a jamais eu recours à l'avortement, mais aurait fait une fausse couche à l'âge de 25 ans. La particularité de cette fausse couche est qu'elle serait produite en pleine nuit et que Sylvie n'a jamais été en mesure de retrouver le fœtus. Magnifique, hein? À part ses draps gorgés de sang, elle n'a jamais rien trouvé. C'est marrant, on voit tout de suite les draps avec le sang. Et puis, c'est quand même...
L'endométriose est une maladie gynécologique touchant 10 à 20% des femmes et dont l'origine est encore mal connue. Cette maladie consiste à une croissance de tissus similaires à ceux qui tapissent la paroi utérine. Mais à l'extérieur, l'extérieur de l'utérus, ceux-ci croissent lors de chaque cycle menstruel, mais ne peuvent être évacués par les voies normales. S'ensuit une inflammation pouvant entraîner de la douleur ainsi que de l'infertilité chez les femmes qui en sont atteintes. Pour ce type de cas particulier, où des grands gris sont impliqués, des procédures d'implantation d'embryons et d'extraction du fœtus sont fréquentes et ont été rapportées de nombreuses fois chez d'autres témoins. Selon Pierre Caron, il existe quelques cas semblables. Après 10 ou 12 semaines de grossesse, une fausse couche se produit et le fœtus est absent. Mais selon lui, une masse corporelle, même de petite taille, ne s'évapore pas, pas plus qu'elle ne se désintègre. Même si le fœtus est disparu, celui-ci doit avoir bien avoir été quelque part, bah oui. Avec toutes les données recueillies jusqu'à présent, la thèse de l'extraction du fœtus représente une avenue à considérer fortement. Afin d'éviter toute contamination ou influence du futur, régression hypnotique, nous avons évité de discuter de nos théories se rapportant au cas du fœtus manquant avec Sylvie, ainsi que toute autre tentative d'explication. Vous imaginez qu'elle ne sait même pas où il est son fœtus. C'est le cauchemar complet, hein. C'est un truc. Rien que d'y penser. Quand on l'accomplit par les petits gris durant ces enlèvements, ces derniers seraient responsables de la capture des personnes à proprement parler, ainsi qu'à leur retour. Leur présence est généralement observée au début et à la fin de l'enlèvement. Souvent même dans la maison. Rendu à l'intérieur de la salle, les petites grilles occuperaient alors un rôle subalterne et n'interviendraient pas directement durant les procédures dites médicales. Alors, ok, c'est déjà pas mal, ça fera partie de moins de demi-heure. À peu près comme ma première vidéo, si je ne me trompe pas. Alors, discussion post-hypnose, durée environ 10 minutes. Après cette deuxième séance, Sylvie est passablement bouleversée et très fatiguée. Nous n'avons pas insisté plus qu'il ne faut. Il ne faut pour revoir en détail ce qu'elle a vécu au cours de cette régression. Cela ne faisait maintenant plus aucun doute que Sylvie avait bel et bien vécu des événements traumatisants vers l'âge de 15-16 ans. Qui plus est, Sylvie devait désormais apprendre à intégrer et à gérer le souvenir de ces événements cauchemardesques, mais ce que je viens de dire justement, qui resteront gravés dans sa mémoire à tout jamais. Oh bah c'est foutu, sa vie elle est foutue, ma vie, de toute façon il faut le dire. Un truc comme ça, elle va peut-être faire des magnétiseurs, tout ce que tu veux, et c'est non, mais bon, elle a quand même une vie quand même foutue. Puis en plus, 15-16 ans, après. Je sais pas quoi dire là, c'est. Cauchemardesque, oui, c'est ça. Alors, suivi téléphonique du 12 juillet 2016. Et la prochaine. Ah, et puis encore une image. Avec des sphères de lumière. Bah, la prochaine fois, je dirai la troisième rencontre. Après, je ne sais pas si je ferai une quatrième vidéo. Je ne sais pas, je vais. Peut-être. Suivi téléphonique du 12 juillet 2016. Je pris contact avec Sylvie le lendemain de la régression hypnotique pour faire un suivi de son état émotionnel. En dépit du fait que cette dernière séance avait été tout de même assez éprouvante, son moral semblait bien aller. Je lui ai dit qu'elle pouvait cesser de faire ses régressions hypnotiques quand elle le souhaitait. Il était important de lui rappeler que son implication se faisait sur une base volontaire et qu'elle n'avait aucune obligation envers moi ni le MUFON, que les papiers que nous avons signés ne servaient qu'à établir une base d'entente commune à lui faire connaître les buts de notre recherche. Elle me confia que même si ses souvenirs récupérés pouvaient être perturbants, ceci lui permettait de répondre à de nombreuses questions qui étaient restées sans réponse depuis longtemps. Le sentiment qu'il lui manquait une partie de sa vie se comblait au fur et à mesure que les souvenirs revenaient à la surface durant chacune de ses régressions. Je lui ai posé quelques questions à propos du moment où elle disait se sentir flotter dans les airs. Le stress de l'hypnose étant un peu retombé, il était possible pour elle de revoir ces événements avec plus de détachement. Elle me décrivit en détail ce qu'elle avait observé à ce moment-là avec plus de facilité qu'au moment de l'hypnose, car ce souvenir était resté bien ancré après celle-ci, comme pour le reste d'ailleurs. Pendant cet épisode, elle se rappelle avoir vu à la fois la lune à sa gauche, alors curieusement la lune, c'est assez bon après, et une sphère de lumière à sa droite, par sa fenêtre, je me trompe pas, à se diriger en flottant vers une grande masse sombre de forme triangulaire, l'OVNI. D'ailleurs, ceux qui sont triangulaires ou rectangulaires sombres, c'est négatif. C'est ce que disait Elena Danan.
Après, c'est pas forcément des trucs militaro-industriels, hein, du complexe. Quand c'est triangulaire noir ou rectangulaire noir, mais vraiment sombre, dégueulasse, comme une couleur. Bon, en fait, de toute façon, enfin, ça fait pas, voilà, ça fait pas joyeux, que je veux dire. C'est pas étincelant, on va dire. C'est pas flamboyant, c'est pas, enfin, flamboyant. Je veux dire, c'est pas le paradis quand tu vois ça. Hein. Généralement, c'est des êtres qui sont sombres, très sombres, hein, qui sont négatifs. Hein, donc, quand t'as des ovnis comme ça, enfin des soucoupes, on va dire des gens extraterrestres. Oui, je lui demandais s'il était possible de m'en faire un croquis qu'elle me donna la semaine suivante, avant la troisième séance. La masse sombre et triangulaire. Bon, en examinant le croquis de Sylvie, on observe très nettement la forme triangulaire du vaisseau. Hein. Dans lequel elle va subir la procédure d'extraction de fœtus au cours de l'une de nos conversations qui ont suivi. Sylvie nous avait mentionné que les procédures d'extraction se produisaient toujours au même endroit et que l'implantation d'embryons se faisait ailleurs. On ne sait pas pour le moment si cet ailleurs est dans un autre type de vaisseau ou s'il s'agit d'une autre partie du même. Il est intéressant de noter qu'il y a de nombreux cas d'observation d'ovnis triangulaires, oui, dans les archives du MUFON et d'autres associations ufologiques du Québec. Annexe 3. Représentation graphique de l'enlèvement fait par Sylvie le lendemain de la deuxième régression hypnotique avec le texte explicatif. Alors, le texte explicatif, waouh. Je traversais lentement la fenêtre en flottant. Je voulais me réveiller. Je croyais faire un cauchemar. Je ne comprenais pas pourquoi des étoiles. Voilà. Pour moi, un triangle. La sphère m'aveuglant. Au départ, je. Bah, de toute façon, je vais faire la photo parce que. Il n'y avait plus de feuilles dans les arbres. J'ai passé au-dessus du jardin. Ah oui, puis il y a plus de croquis en plus. On peut dire à côté. Voilà. J'imagine que là, c'est la sphère, la lumière. Voilà, c'est ça. Elle, c'est elle. Bah oui. Et là, le triangle qui est énorme, c'est certainement le vaisseau. Je pense que ça peut être d'autres. Ouais, les étoiles, enfin les étoiles qu'elle voit aussi sur les côtés, la lune, hein, où il y a des arbres. Ici, j'imagine. Là, je vois pas non plus ce qui est marqué. L'étoile, peut-être, je sais pas. Ok. Allez, enfin, les photos, je vous coupe là. La prochaine fois, ça sera troisième rencontre. Ah bah, ça commence bien. Wow. Là, la vision d'une planète dessinée par Sylvie avec note explicative. Donc une planète, on ne sait pas ce que c'est qu'une planète. Je pense que je ferai la troisième, si c'est pas trop long. Ah, c'est. Je pense que c'est beaucoup plus long. Oui. Ah oui, la troisième est beaucoup plus longue. Ce qui fait que si je fais une troisième, je vais pas la faire 30 maintenant. Je balancerai après celle-là une autre vidéo. Je sais pas laquelle. Peut-être Héna d'un an. J'ai encore aussi du David Rousseau, une vidéo. Et après, je reviendrai sur cette troisième grande vidéo. Qui va être magnifique. Qui sera beaucoup plus long. Ouais, peut-être 20 minutes de plus. Peut-être plus, je sais pas. Il y aura 45 minutes. Ou 50 minutes. Elle sera beaucoup plus grande. Peut-être une heure, je sais pas. Celle-là, alors là, je vais la balancer la deuxième. La prochaine fois, je balancerai autre chose. Et d'ici le week-end, je balancerai la troisième. Et j'arrêterai là, ce qui sera déjà énorme. Je ne vais pas tout lire non plus. Ça sera plus grand en plus. Je pense que j'arrêterai là. Peut-être y aura une quatrième, je vois. Allez, je coupe là. Voilà, avec le premier que je vous avais montré la première fois. Là. Sur les planches, là, je ne les plie pas. Ici, hein, grand gris, petit gris aussi, il me semble. Le cailleux, etc. Deuxième rencontre. Regardez comme il est joli. Ça donne envie de lui serrer la main. Hein. Allez, bah, la troisième rencontre, vous l'aurez une autre fois. Parce que après cette vidéo-là, je balancerai une autre. Ouais. Et après, au week-end, soit samedi soir ou dimanche soir, je sais pas quand, je balancerai la troisième partie de celle-là, une grande vidéo, beaucoup plus grande.
Allez, je coupe là. Merci, à bientôt. Bah, d'ici 2 jours, je pense, hein, je balancerai autre chose avant. Et la troisième, pour l'hypnose, troisième partie, d'ici ce week-end, voilà, un peu comme ça. Certainement samedi ou vendredi, je crois. Voilà. Allez, ou dimanche, en tout cas. Bon, allez, à plus, merci, à bientôt.